Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette des financiers à la pistache. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Je vais tout d'abord commencer par aller faire fondre le beurre au micro-ondes. Je vais tamiser la farine, le sucre glace, et la poudre d'amande. Les ingrédients secs sont tamisés. Je vais rajouter le blanc d'œuf petit à petit. Je rajoute le beurre. Rajouter la pâte à pistache, c'est facultatif, vous pouvez mettre de l'extrait de café, de vanille, de citron, etc. ou vous pouvez les laisser nature. Et je mélange le tout. Le tout est mélangé, vous devez obtenir cette texture. J'ai pris un moule à mini cannelé car désolé, je n'ai pas de moule à mini financier, je ne l'ai pas reçu. Vous prenez les moules de votre choix. Je vais remplir aux trois quarts et je vais faire ça pour toute la plaque. Vous pouvez également remplir une poche à douille et remplir vos petites empreintes. Mes plaques sont remplies, j'ai pu en faire 39. N'oubliez pas, si vos empreintes ne sont pas remplies, remplissez-les bien d'eau pour ne pas abîmer votre moule. J'ai préchauffé mon four à 210 degrés et je vais les cuire plus ou moins entre 13 et 15 minutes. Les financiers sont cuits, je vais attendre quelques minutes avant de les démouler.